This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair. Nous sommes bien arrivés. Et là, il y a des chevaux. Voilà, petit cheval. Je connais. Quoi ? Mais non. On est chez une Allemande qui a 3 hectares de terrain. Allemande, je t'arrive. Qui parle surtout allemand, un tout petit peu français, un tout petit peu anglais. Donc c'était un mélange d'anglais et français. En tout cas, elle est très très sympa. Oh, je crois que c'est cool. Et il fait très 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 chaud. C'est... Je vous montrerai plus tard le logement parce que là on a trop chaud. On va aller aux cascades vous autres se baigner, ça va être cool. Vous voulez voir mes yeux? Voilà mes yeux. Tu as un mot à rajouter? Non. Searching for a second chance in this new world. I find myself living in. Searching for a beginning. Monsieur la chouchotte, qui ne se baigne pas. C'est qui la chouchotte? Moi j'ai bu l'eau de la source. On va boire l'eau de la source. Alors la source, l'eau elle est du coup? J'ai bu juste une micro-gorgée. Elle est là, c'est ça? C'est dans le mur là. Hein? Ah, c'est ça où? Ça vient de Souterre, mais... Ah t'as bu où alors? Ah, juste en bas du mur. Juste en bas du mur? Mais moi en tout cas, je suis baignée, la preuve. Elle était très 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 froide, j'ai mis beaucoup de temps, mais c'était parfait. Ça fait trop du bien après cette chaleur. Là on va où? On va à Ouzoul. Voilà. On pourrait faire une musique. On n'est pas accordé là. Non. Mais ça va venir dans le week-end, on va être accordé puis stop. I opened up the blinds and saw your hair tied on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Montre ton beau visage de fatigué. Et après un bon repas, un bon tagine et des bonnes brochettes de poulet. Encore, il joue avec une bougie. J'aime jouer avec le feu. J'aime le feu. J'adore le feu. J'aime ça. Mais ça a crépité tout, c'était horrible. J'ai cru que j'allais avoir, tu sais, genre, comment ça s'appelle J'ai cru que, comment on dit, j'allais avoir des cendres, j'allais avoir plein de cendres dans la gueule, chaude en fait. Voilà, à part ça, on a bien mangé. Bon, bah rien, on a eu du melon, la pomme, la bougie, le pouce. Ah non, c'est pas un pouce. Je croyais que tu faisais un pouce. Et du bout de papier, de... Du bout de papier cramé. Well, I'm a sinner. And it's too good to be true. You put the blame on me. Il y a des fourmis. Il y a des fourmis aux toilettes. Il y a des fourmis dedans. Oh, des fourmis. J'envoie ma fourmi, au secours, au secours. Oh, les côtés de mon pied. Coucou. Alors là, c'est la nuit noire dehors. Comme vous pouvez le voir. Et franchement, je dois mettre la lampe torche de mon portable parce qu'il n'y a aucune lumière dehors. Et du coup, je peux pas vous montrer dehors, mais c'est une galère parce que c'est tout petit chez moi. Et
J'ai galéré à trouver les toilettes. Parce que les toilettes, c'est des toilettes communes qui sont pas à côté de la cabane et tout. Mais c'est cool, c'est ce que je kiffe, c'est la vraie aventure comme je l'aime, donc c'est cool. Ça fait plaisir d'être là, c'est tellement silencieux que j'ai même pas envie de parler plus fort que ça. Et maintenant, on va aller se poser dans la cabane, tranquille, et profiter du soleil. Profiter du silence, et peut-être voir quelques étoiles. En tout cas, y a la lune, elle est coupée en deux comme ça, comme si quelqu'un l'avait coupée. Et non, je n'ai rien bu du tout. Je tiens à le préciser. Allez, on va aller profiter. Lost when I feel like nothing. Always feel like I'm running. Both feel we live in worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said. Une chaussure est tombé par terre. Bonjour. Est-ce qu'on voit mes yeux? Non, mais en fait, il y a trop de soleil. C'est... Voilà. C'est trop cool. Franchement, c'est tellement silencieux que cette nuit, j'entendais la respiration de Simon à fond. Il n'y avait aucun bruit. Je ne connais pas ça. Jamais. C'est déconcertant, mais en même temps très agréable. Donc, je vais vous faire une petite visite de la tente. Parce que je ne l'ai pas fait hier, il faisait trop chaud. Voilà, il fait toujours aussi chaud, mais... J'ai plus la motive. C'est parti. Je suis une chaussure. Il y a les toilettes vers là-bas. Et là, il y a la tente. En fait, il me faudrait que je mette ma chaussure pour vous montrer. Parce que voilà le paysage magnifique qui nous entoure. Et là, c'est la tente dans laquelle on dort. Là-bas, c'est la tente où on prend le petit-déj, l'espace commun. Voilà. C'est mignon. Alors, comment s'est passée cette nuit? Oh, comme une nuit. Standard. Une nuit standard, t'es sûr? Tu dors comme ça toutes les nuits? Standard. Tu dors comme ça toutes les nuits? Ça dépend des périodes. Ok. Ah, c'est sûr que j'ai connu plus beaucoup. Bien, moi, c'était pas une nuit de type standard. C'était une nuit compliquée. Oh, j'ai fait que me réveiller. Faire des cauchemars chelous. Me réveiller et essayer de regarder les étoiles. M'endormir. C'était cool du coup. Ah oui, puis ça me chatouillait. Ça me chatouillait comme si j'avais toutes les fourmis, parce qu'il y a plein de fourmis aussi immenses dans la tente. Du coup, ça me chatouillait, ça me réveillait et tout. C'était horrible. Juste le petit côté sur les fourmis. Et puis réveil par une chaleur accablante, mais. Pour ça, c'était original, c'était sympathique de dormir à moitié dehors. And it's too good to be true. And I try to deny. But the love that I felt was so blue. Try to deny. Once again now. I'm sorry to show you the truth. But I just gotta say. Oui! Et la douche. Aïe! Je me suis fait mal avec la poignée de la porte. Aïe! De toute façon, je suis tombée déjà hier soir. Je vais pas finir ma caméra, mais je suis tombée sur les marches en sortant des toilettes. Nous attendons pour manger. Oui, nous attendons pour manger devant ces délicieuses cascades sous une chaleur. Bon, c'est un bord, c'est vraiment insupportable. Hein. J'arrive plus à parler, moi. Ah, je suis désolé. T'es pas un robot. Je suis tu désolé. N'es pas un robot. Je suis désolé. Je ne t'écoute plus. Une table pas très propre.
searching for a second chance. Ouais, y'a un caillou là. J'ai réussi, elle est très froide. Hein? Hein? Très froide. Ouais, elle est très froide, je sais qu'elle est froide. C'est pour ça que je ne suis pas dans l'eau, tu sais. Ah, oh, mais c'est grave, j'ai mouillé la tête. J'en rêve depuis hier. Mouille-toi la tête. Premier challenge réussi. La suite, c'est est-ce qu'on va réussir à boucler la route d'Ouzoud. Là, on a déjà monté, marché 5 km. Ouais. Qui sont toujours coincés comme des cons là-bas. Putain. Ils vont y arriver. En même temps, eux, ils sont beaux. Ouais. Ils bouffent les raisins, ta gine. Là, les canards, c'est pas. Ah, on a l'eau. Ah non, ils ont soif. Bah ouais, c'est salé, hein. Ça donne soif, hein. Claire la fatiguée. Claire la fatiguée. C'est vrai que j'ai pas de souffle là, j'ai mon cœur qui va super vite. Le 10 mètres, elle doit pas être. Non, 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 c'est faux. T'as pas le temps de prendre ta respiration et tout, ça monte sec direct. Moi j'ai besoin de. Comme les deux chevaux, j'ai besoin d'avoir un temps de démarrage. Et d'après la montagne d'en face, on a fait la moitié. Donc... On a fait la moitié, ça va. Ouais. C'est rapide, mais c'est pour ça, ça monte sec. Hein. Motivé. Ouais. Motivé, on continue. Tout à l'heure, on était tout en bas. C'est un véritable oasis avec la rivière qui passe. Pas si long. Non, ça va. C'est abusé, mais... Même si Claire doit faire des pauses toutes les 10 mètres pour reprendre son souffle. Non, t'as vu, c'est que deux pauses. Et voilà, hop. Ouf, ça a l'air haut. Pas glissé là. Voilà, on est monté par cet escalier là. On dirait pas, mais là, il y a un putain d'escalier de je sais plus combien de centaines de marches. Au moins 500. Les cascades dans l'autre vues... sens. Ah oui. Les cascades vues d'en haut dans l'autre sens. Ça serait quoi, hein? Alors il y a une petite tache qui s'est mise, je suis désolé. Eh bah ouais. Ah tu cherches, tu trouves, hein. Faut manger la cacahuète, hein. Oui, il y en a plein. Claire qui découvre les singes. Je le vois sur elle. Qui sont mignons. Ouais, c'est bon. Oh, ah, oui. Elle est montée dans l'arbre. Elle a des grosses oreilles. Ouais. Elles ont toutes poussées. Elles sont vraiment humaines, ces oreilles. Putain. Wow. Oh, ouais. Wow. Oh là là, là, on le voit bien. Ah. Là j'avoue ça fait deux jours qu'on a très très mal dormi, qu'on fait que se réveiller, se rendormir, se réveiller, se rendormir. Il fait un petit peu moins chaud donc c'est quand même moins hardcore qu'hier. Mais vous voyez mes yeux.
on part vers midi. C'était déjà super ce petit séjour, d'être dans la nature et tout. C'est vrai qu'il fait tellement chaud que c'est dur d'apprécier pleinement. Sauf quand t'es dans l'eau après t'être baigné, parce que la source elle est tellement fraîche que c'est dur de rentrer dedans. Mais une fois dedans, voilà, c'est trop agréable. Mais c'est vrai que c'est une chaleur très pesante. En même temps, on est dans un pic de canicule ce week-end. Je sais pas pourquoi ils ont décidé que tous les pics de canicule, ça serait le week-end. C'était le week-end dernier, c'est ce week-end. C'est pour ne pas trop déranger ceux qui travaillent la semaine, je sais pas. Bref. En tout cas, c'était vraiment sympathique. Ça fait du bien. 2 jours et demi de vacances comme ça. C'est agréable. Franchement, le silence ici va me manquer. Il y a tellement de silence que j'entendais un âne qui était super loin hier. J'ai l'impression que mon ouïe est exacerbée. En fait, dans la nature, j'ai l'impression que tous mes sens sont exacerbés. C'est comme si dans la ville, j'essayais d'ignorer le max de signaux. Tellement il y a de bruit, tellement il y a d'odeurs insupportables. Je pense que je suis en train de refouler un max tous les signaux, tout, essayer de le moins possible me concentrer dessus parce que c'est des bruits pas du tout agréables. Et du coup, ce qui est bien avec la nature, c'est d'un coup, tu te reconnectes à tous tes sens. Tu t'ouvres en fait au monde extérieur. Tu prêtes attention à tous les bruits, à tout ce que tu touches, à tout ce que tu sens. Bon, j'ai des bouchées, donc c'est pas le meilleur sens. Tout ce que tu vois. En fait, c'est là où je me dis que si on vivait tous dans la nature, on n'aurait pas besoin de la méditation ou de ce genre de truc, de respiration, etc. pour être plus sereine, pour être plus connectée dans le moment présent et tout. Parce que dans la nature, on l'est naturellement en fait. Donc voilà, c'était mon petit message. Maintenant, on va aller prendre le petit déj. C'est parti pour le show. Et c'est parti tout le monde est chaud. Et ça bouge beaucoup. Ça, c'est des routes de montagne. Hein. Des trucs dans les pieds, c'est pas du tout agréable. Abonnez-vous si vous avez aimé ça. Ciao.